Donc je vais réussir à le faire une fois, juste pour avoir un record de ça, et après je fais des vrais runs. Hop. Bon, là, vous voyez, ça c'est super lent. J'ai un autre setup dans ce truc, mais ça implique de réussir à faire des sauts sur ce point de sauvegarde et c'est pas évident. Et voilà, comme ça. Faut que je fasse deux fois et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais ça fait gagner du temps quand j'y arrive. Yonoro, la forme. Ah bah tu vas pouvoir voir les fabuleux OOB avec les chatons. Allez, trick. Ah. Allez. Oh là là. Ça va y arriver, ça va y arriver. Non. Je vais continuer sur celui-là parce que je le trouve plus facile à setup. Même si, bon, si je le rate, vous voyez, c'est assez pénible. Ouais, relou quoi. C'est quoi cette arnaque encore? Bienvenue dans le royaume de l'arnaque. Travail Disney ne fait pas aussi bien. Voilà. Ok. Nous voilà dans le mur. Hop. Parfait, du coup on arrive là. Très bien. Hop, et maintenant le second OOB. Alors voilà, j'ai réussi le premier. Ah, celui-là est un peu plus compliqué. Normalement, ouais. Ouais. Alors, ouais. Ok, c'est bon. Voilà. On fait pas n'importe quoi. Ah mais si vous voulez, j'ai découvert même, on avait même découvert des salles qui n'existaient pas dans le jeu en faisant des OOB, hein, des salles qui ont été programmées, mais qui ne sont pas accessibles. Hop là, voilà. Et voilà. 4 minutes 5. Ok, donc maintenant on va faire des vrais runs. Je voulais juste un record de ça. Donc si vous voulez vous entraîner à faire ce truc-là, c'est assez court, vous voyez. Je pense qu'il y a moyen de le faire en à peu près 3 minutes.